Je suis une belle gosse, donc évidemment, ouais. Regardez comme il est beau le livre là. Fais gaffe parce que ça ne bascule pas. Ce livre là, il est beau. Hein. Laurine, elle a pété tout le cadre. Oui, j'ai même pété. Non, ça c'est pas vrai. Salut la compagnie. Nous voici dans ce nouveau décor à deux. Nouveau enfin, passé, nouveau, première fois à deux dans mon nouvel appart. Elle est joie au cas où vous n'auriez pas saisi. Je suis maladie au cas où vous n'auriez pas saisi. Voilà, tout à fait. Et il faut que je reprenne une place de parking. Vous êtes ravis de la prendre, les gens. Nous disions. Que je suis malade. D'où mon nez rouge. Et c'est pas moi qui défilais la crève. C'est pas toi à l'origine de la crève, mais je suis convaincue que physiquement c'est toi qui me l'as refilée après 7 heures de cohabitation dans une même voiture juste à côté. Enfin, mais moment, de voilà. La base, moi aussi j'ai été une victime. D'accord. Oui. D'ailleurs, si mais vous là voulez... t'as plus l'air d'être une victime, c'est un peu. Non, ça y est, c'est en partie. Si vous voulez me voir malade, c'est juste en haut avec un read with me. Un read with me qui vous fera tous sursauter quand tu auras un certain éternuement à un moment, je sais pas quand d'ailleurs, je l'ai pas regardé moi. Déjà, je me suis mouchée au moins 3 fois et j'ai dû retirer à chaque fois, retrouver les passages parce que je me suis elle pas tout retapé. Hein. La vidéo faisait 1h20, je crois, de base. Ouais, mais il y a des gens, ils ont tourné pendant 1h30 avec des potes et elles ont dû monter ça, quand même. Ça, c'est ton problème. Bref, on n'est pas là pour ça, les amis. Non. Non. Non, on est là pour un unboxing, mais oui, j'ai parlé de ma maladie pour m'excuser de du fait que je parle du ouf du nez et qu'il est tout rond. En vrai, ça passe. En t'entendant, ça passe. Ouais, c'est ça. Bref, on est là pour un unboxing. Et vous pouvez le constater, la boîte est moche, mais parce que dans le plastique, il y a une jolie boîte. Oui. Laurine, fais-toi zizir. Elle est trop belle. Oh là là, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est cette magnifique box, Clémentine? Ding. C'est une box Ozu. C'est une box Ozu d'un roman qu'ils ont acheté. Il sort en même temps dans plein de pays. C'est une grosse sortie simultanée. Je crois que c'est anglais de base, mais je suis pas certaine. Et c'est de la fantasy jeunesse, si je me trompe pas. Oui. Et donc voilà, ça a l'air génial. Est-ce qu'on n'irait pas? Où? Dans la boîte? Je suis pas sûre qu'on rentre. Ah, ok. Ouais. Par contre, on peut l'ouvrir. On va arracher toute la boîte. Elle s'en fout. On va quoi? J'ai dit on va arracher toute la boîte, mais t'en avais rien à péter. Non, on va pas arracher toute la boîte. Pourquoi on arrache toute la boîte? Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Une petite illustration. C'est trop, trop beau. Alors, beau papier, comme vous avez pu voir. Tout déchiré. Non. Il y avait déjà un trou, j'ai forcé. Oh là 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 là. Oh, ça je prends. Il y a un jeu de cartes et Laurine, les cartes, je crois qu'elle s'en fout. Enfin, je peux te les laisser parce que j'en ai déjà 12 000. Et j'en ai pas. Ah bon, bah je vais lui laisser. On verra selon les goodies. Il y a un beau marque-page. Mais attends, j'ouvre les cartes, mais j'ai peur de défoncer la boîte. Avec l'édition reliée et l'édition brochée derrière. Bon, c'est un peu flou. Ouh, ils sont jolis en fait. Il va y avoir des déchets partout chez moi. Ouais. Ouais. Alors, le dos des cartes avec le focus. YouTubeuse beauté mode. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression. Bof. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. On va rester loin, désolé. Et les cartes en elles-mêmes, je sais pas ce que ça porte. Oh, c'est mignon, ouais. Oh, la couronne, j'adore. Ouh, j'aime beaucoup. Elles sont très stylées. Faut leur montrer quand même, Clémy. Oui, bah 2 minutes. Attendez juste un dire peu. Ouh, c'est beau. Les cartes de base ressemblent à ça. Vous avez des dorures dans les coins, mais je sais pas. Un peu en mode. Nul avec le focus. Bah, c'est un peu partout comme ça aussi. Mmh. Oui. Ouais, j'avais là. Et roi, valet et dame sont très jolis aussi. Vous avez pour le valet un petit bouclier, mais je pense que vous voyez mal les dorures. On essaye de se suicider sur ah, le côté. Ah, là c'est bon. Nickel. Donc vous avez vu le valet. Voilà la dame. Ouais. Et le roi. Et je les trouve trop très stylés. Trop trop canon. Est-ce que ce serait-il pas parti pour la suite? Attends, je voulais voir les autres. Oh, ma carrelle. Ah, j'aime bien les jokers aussi. Très jolies ces petites cartes. Je peux ouvrir? Les livres, ils sont trop beaux. Mais oui, ils sont trop beaux. Je verrai après. Mais ils sont trop beaux. Alors, Vassis Das. C'est l'art d'être subtil par Laurine. C'est un gâteau. Oh, c'est un gâteau. Mais oui, ils l'ont dit sur le Discord en plus. Moi j'avoue que je regarde du coin de l'œil mais pas vraiment. Oh là là, il est trop beau. Oh, le style. Mais oui, il est trop beau. C'est dommage, t'es allergique. J'ai pas envie. Oh, de le... Non, je suis pas allergique. J'ai pas envie de le manger, il est trop beau. Est-ce qu'on peut vérifier que t'es pas allergique? Parce que si tu l'es, franchement, je crève de rire. Je suis pas allergique. Je suis un peu déçue. Arôme naturel de vanille. Tu me le laisses? Non.
Madame n'aime pas la vanille, donc voilà. Je suis pas grande fan, mais les sablés à la vanille, c'est trop bon. Ça a l'air d'un sablé. Magnifique. Il est vraiment super beau. Ça vient de la boutique Poupette Biscuit. Voilà. Elle a un site internet et un Instagram qui s'appelle Poupette Biscuit, avec biscuit avec un S. Donc on vous met ça en bio, mais c'est super joli en tout cas. En bio, Laurine. En description. Vous n'êtes pas sur Instagram. C'est trop beau. Petit dossier de presse, voilà, un petit dépliant. Vérifie tes infos, est-ce que c'est bien traduit de l'anglais du coup? Parce que ça doit être écrit quelque part. C'est une trilogie, et donc la suite paraîtra en 2025 et 2026. Le premier tome de cette trilogie sortira en 2024 dans 12 pays, et Penguin parle déjà de Jordan Lees comme de la primo romancier de le primo romancier de la décennie. Ça va, dis donc, les chevilles. Donc Penguin, c'est bien anglais. Oui. Est un agent littéraire. Ah, c'est un agent littéraire anglais qui l'a écrit, c'est dingue. Non, je me demandais si c'est la tête, mais j'ai quelque chose, mais non. Pourquoi tu connais des agents littéraires? Bien sûr, tout à fait. Ah bon? Ah, c'est rigolo. Au fond de la boîte, il y a un labyrinthe. Bah, comme toutes les dorures, hein. Il est joli, regardez. Et ça, c'est juste le brochet. Attends, je regarde ce qu'il y a écrit encore. Donc, nous avons le résumé. Une édition brochée à 16,95€ et une édition collector reliée avec jaquette et jaspage à 24,95€. Ce qui est un peu moins cher que le reste, je trouve, du marché, qui est plutôt vers 26. Dis l'experte, parce que moi, clairement, je n'ai pas fait gaffe. Je trouve. Donc, le résumé, on peut le relire, à moins que tu le connaisses de tête. Non, je ne le connais pas de tête, Micheline, tu peux y aller. Alors, parce que clairement, on n'a pas envie de m'entendre lire. Didalum est un monde étrange et mystérieux. C'est un labyrinthe infini dans lequel il est impossible de se retrouver, où l'on passe du soleil à la pluie à chaque coin de rue, où rôdent des créatures extraordinaires et où les habitants peuvent faire de la magie grâce à leurs échos, d'étranges poupées qui prennent vie. Lorsque Benjamia est envoyé dans ce monde, il croise la route de la jeune Elisabella. Tout finit « Ah, ça me tue !» Dans l'espoir de retrouver son chemin jusqu'à notre monde, il se lance avec elle dans une incroyable quête. Pour retrouver son frère disparu, il doit suivre les traces des mystérieuses Whisperwick, des lanternes magiques qui détiennent le plus terrible des secrets. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Trop génial. Mais quand est-ce qu'il sort ce bouquin? Mais c'était écrit genre le 5 avril, je crois. Et il sort le 5 avril. 5 avril, notez la date, les amis. Est-ce qu'au lieu de les faire languir, tu leur montrerais pas le relier, puisque j'ai montré le brochet? Allez. Oh là là, il est tellement beau. On va se battre. À coup de livre. Oh là 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 là. On va tellement se battre avec Clem. Il est incroyable. Et il est. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, c'est mignon. Une petite loupiote. Oui, est-ce que c'est pareil de l'autre côté? C'est la loupiote qui est sur le gâteau. Il y a même un signe. C'est la loupiote qui est sur le gâteau. Oui. Ah. C'est brillant. Oh là là, et c'est en relief le titre. Je le trouve magnifique. Ça beau. Vraiment, c'est du gros talent, je trouve. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vraiment très bien fait. Et il fait donc... Il écrit très gros, hein. En tout cas, le ouais, brochet écrit très, très gros. Très très gros. Et il y a 535 pages environ dans le... Ouais, dans c'est ça pareil, 540. Donc ça va quand même très vite, je pense, à lire. Et... Oh là 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 là. Je suis désolée, mais je le trouve incroyable, voilà. Donc, mais... Et puis, on vous a pas montré du coup le fond de la boîte. Le fond de la boîte. Qui est un labyrinthe. C'est une super bonne idée, je pense qu'on va le faire juste après. Comme de teubé, oui, totalement. Oui. Clairement, la première qui gagne. La première qui gagne, elle a le droit au relier. C'est tellement beau. Mais voilà, donc un relier, un brochet. Les deux sont tellement beaux. Cette box est tellement belle. Le gâteau a l'air super. Le petit dépliant, le marque-page, enfin le jeu de cartes. Tout est génial. Donc merci Ozu. Ça promet d'être une super belle sortie. Vraiment, moi j'ai hâte de lire ce roman. Je vous recommande ça à fond, les copains. À fond, les copains. Ça veut dire quoi, ça, à fond, les copains? Je vous recommande ça à fond, virgule, les copains. D'accord. Les copines aussi, hein, d'ailleurs. Oui, mais voilà, ça a l'air génial. J'ai hâte de vous en reparler. Très bien, Micheline. Un commentaire supplémentaire? Non, Micheline, tu n'as pas de commentaire bien à faire. Je pense qu'on se fera toutes les deux une lecture commune. Oui. Si on ne l'a pas lu d'ici, est-ce que vous voyez cette vidéo?
n'hésitez pas à nous dire, ouais, moi aussi ça m'intéresse. Et si on voit que vous êtes plusieurs, on fera peut-être un channel sur le Discord. Voilà. Maybe. Maybe someday, comme dirait d'autres. Mais enfin bref, il a l'air vraiment génial en tout cas. Parti de la mienne. Oula. Peut-être pas en vidéo. Oula. On peut peut-être finir la vidéo d'abord. Si on regarde comme ça. Non. Non, on va peut-être finir la vidéo. Oh la rabat-joie. Bah écoutez, merci d'avoir vu cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire, même si nous-mêmes ne l'avons pas encore lu. Oui. En tout cas, je pense qu'on... Enfin, remonte la couverture brochée, même le derrière, bim, je sais plus si tu l'as montré, mais bim, je trouve que bim, c'est trop joli. Bim, bim, bim. Il y a un vrai travail éditorial qui a été fait, je sais pas si c'est la même couverture en anglais ou pas. Il y a de la dorure en tout cas, mon gars. Mais trop joli, j'espère qu'elle s'évase pas, j'espère que c'est une dorure à chaud. Mais sinon c'est quoi, une dorure à froid? Ouais. Et c'est moins cher et du coup de moins bonne qualité. Ah, vous êtes tous ravis sur ce point d'édition. Et c'est pas fait de la même manière du coup, voilà. C'est pour ça que le prix n'est pas le même. Et ben écoutez, voilà, on vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit emoji doré si ça existe. Je sais pas si ça existe, moi j'avais proposé lanterne si ça existe, mais lanterne. Je suis pas sûre non plus. Lanterne dorée ou jaune pour le doré. Alors j'allais pas dire jaune, j'allais dire carte à jouer. Mais jaune ou carte à jouer, ça marche. Voilà. Et ben on vous souhaite de joyeuses lectures les copains, mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao!